Salut tout le monde, c'est Fitz le brasseur. Aujourd'hui, on brasse avec le Grandfather, le Conical et le Glycol Pack. On va faire une Mexican Lager. Fait qu'on va tout vous montrer comment ça fonctionne, le gros kit de Grandfather. En passant, maintenant au brasseur, c'est disponible avec accordé d'avoir un prêt pour acheter votre équipement brassicole, que ce soit le Grandfather, le Conical, le Glycol Pack, un système de fût ou tout ça en même temps. Je suis vraiment content d'offrir ça à mes clients. C'est un gros plus au brasseur qu'on peut maintenant vous faire des prêts pour vous aider à vous améliorer dans votre passion. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une Mexican Lager. Et oui, avec le Grandfather, j'ai fait la petite recette. Elle va être disponible en description, le lien pour l'acheter sur mon site web. Fait que vous pouvez aller voir la recette. Elle va être disponible sur mon site web, sous l'onglet recettes. Un nouvel onglet qu'on vient de créer. Juste pour vous, les mous du vendredi vont tous être là aussi. Les bières que je brasse, on va être disponible aussi en 23 litres pour les achats. On a toutes les étapes. Et en plus, on a une belle feuille de calcul aussi qui va être disponible sur notre site web. Fait que profitez-en aussi. C'est gratuit, la feuille de calcul. On brasse avec le Grandfather, mais non seulement on va brasser avec le Grandfather, mais si vous êtes nouveau propriétaire de Grandfather, puis vous vous demandez comment qu'il marche, ou si vous voulez avoir le Grandfather et vous avez aucune idée c'est quoi, on vous fait un petit tutoriel avec l'équipement de A à Z, dont le Glycol Pack, le chiller, le double paroi refroidi, le kit de transfert. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo important à regarder. Il risque d'être un petit peu plus long que d'habitude. Alors pour commencer, on met de l'eau dans le Grandfather. Je l'ai déjà fait pendant que je faisais ma recette. Par contre, on vous fera un tutoriel éventuellement sur l'application, comment elle fonctionne. Elle vient d'être modifiée il n'y a pas très longtemps, il y avait beaucoup de bugs. Je ne la connais pas encore super bien, je sais qu'elle est quand même assez bien faite. Il y a des petits bugs encore, fait que j'aimerais ça vous faire un tutoriel complet juste dessus l'application. Fait qu'aujourd'hui, on va l'utiliser. Oui, je vais utiliser l'application, mais je ne vous montrerai pas tout en détail les écrans de mon téléphone pour vous le montrer. Fait qu'on va commencer par la première chose la plus importante, c'est de monter notre basket. Premièrement, quand on reçoit le Grandfather, il vient avec cet équipement-là ici. Alors, il faut juste prendre notre faux-fond, qui est ici, le mettre comme ça, mettre notre petite noix, bien serrée. Ça ici, à quoi ça va servir, le petit tube qui est ici, c'est un overflow qu'on appelle. C'est pour être sûr que l'élément en bas du Grandfather ne va jamais manquer d'eau et que la pompe non plus, ou de mou de blanc. Fait qu'on met la petite gasquette. Une fois la gasquette mise, un petit truc, peut-être juste mouiller un petit peu l'intérieur ou mettre du Star Sand. Moi, j'utilise tout le temps une solution de Star Sand. Une fois notre solution de Star Sand faite, on a juste à glisser et très, très tranquillement, on va déposer pour mettre notre gasket. On va lever ça au maximum qu'on peut et on va installer dans notre Grandfather. Le basket dedans. Deuxième pièce, le petit stopper. On fait juste le déposer ici. À quoi que sert ce stopper-là? Le stopper, il sert seulement à empêcher qu'on va verser les grains qui viennent bloquer ou obstruer notre tuyau de renvoi. Fait que c'est vraiment important qu'on va mettre le grain, d'y aller délicatement, d'y aller tranquillement, puis on va brasser à fur et à mesure. On va aller chercher le grain, on va commencer notre mâche. Bon, avant tout, j'avais ajouté l'eau demandée dans le Grandfather. Moi ici, j'utilise 2,8 kg de grains par litre d'eau. Je l'ai mis à la température qu'on voulait, qui se trouve à être 64 degrés Celsius. Et là, on va dire qu'on rajoute notre grain. On y va tranquillement, comme je disais tantôt. On peut brasser aussi à fur et à mesure.
deuxième fond, qui est le dessus en fin de compte. On y met aussi notre petit gasket. Il faut les changer quelques fois, les gaskets. Des fois, ils commencent à être un petit peu trop lousses. Ils ont perdu de leur fermeté. Sinon, on peut les mettre au froid. Ça va vraiment aider à ce qu'ils se contractent mieux. Je fais tout le temps la même chose. J'ai tout le temps mon PBW, mon Star Sand. Fait qu'on va tout le temps juste mettre ça sur les gaskets. C'est qu'on vient prendre notre basket. On met notre tuyau de renvoi au milieu. Et on vient juste ici sur leur dessus. Juste compresser un petit peu. Égal. Pas compresser complètement parce qu'on veut que notre grain soit assez fluide pour faire la circulation. On peut enlever notre stopper. Et là, c'est la partie que tout le monde sait pas s'il garde le stopper. Comment qu'on met ça? On le laisse juste ici, on le met au fond. C'est vraiment, vraiment facile. Vous prenez la partie plus machinée à l'intérieur, vous la mettez comme ça ici. Vous prenez votre doigt et vous poussez jusqu'à temps qu'il vienne s'insérer dedans. Ça veut dire que c'est bien installé. On remet notre couvert, on prend notre tube de renvoi. Donc lui, il va recirculer comme ça pendant 15-20 minutes, le temps de faire notre test diode. Le test diode, c'est vraiment facile. On prend un échantillon de mou. On prend une goutte. Et on vérifie la couleur. Quand la couleur vient noire ou bleue, comme vous pouvez le voir présentement, ça veut dire que la transformation enzymatique n'est pas terminée. Il faut continuer notre marche. Fait qu'on va reprendre un échantillon, parce que ça, c'est l'échantillon que j'ai pris au départ pour vous montrer qu'est-ce qu'une transformation non dite terminée. On prend un échantillon. Quand on prend notre échantillon, il ne faut jamais prendre de grains. Fait que toujours juste utiliser notre mou. On met une goutte et on voit que la goutte a complètement disparu. Ça veut dire que notre transformation est complètement terminée. Alors, pour les besoins de la cause, on passe à l'autre étape et on va y faire le mash-out. Le mash-out va servir à tuer la transformation enzymatique. Plus la température monte, plus les enzymes qui travaillent aux plages de température se détruisent et meurent. On peut pas non plus revenir en arrière un coup qu'ils sont morts. Ça veut dire vraiment faire attention quand on brasse. C'est pour ça que c'est important d'utiliser une machine qui a une température tout le temps constante et très très efficace. Le mou est très chaud, fait qu'on peut utiliser des gants. Le couvert était très chaud. On peut constater à quel point le mou de bière est vraiment limpide présentement. On vous présente le tout petit accessoire, la petite poignée de Grandfather. Comment ça fonctionne ça ici? C'est qu'on va juste venir le mettre entre les trous. Et les coches vont rentrer comme ça ici. On va lever. Et on tourne de 90 degrés. On laisse égoutter. Vraiment faire attention de ne pas bouger le panier pour empêcher qu'il retombe dans le mou qui est vraiment, vraiment bouillant. On va rajouter notre eau de sparge. On y va vraiment tranquillement encore une fois pour être sûr qu'il est vraiment partout. Autre chose qu'il faut vraiment faire aussi attention, c'est d'y aller graduellement. Comment calculer notre grain de sparge? On peut soit utiliser le calculateur qui vient avec Grandfather ou pour le calculer, c'est quand même assez facile. On sait qu'on a une opération de 3 litres. On veut 23 litres au final. Alors, on va mettre 3 litres supplémentaires. Puis sur le côté, on peut le regarder. Ou on y va avec le calculateur. Maintenant, on est rendu à 3 litres. Une fois notre sparge terminé, n'a pas oublié d'enlever les petits accessoires pour les laver. Et on peut déjà enlever notre grille du dessus. Pourquoi je l'enlève tout de suite? Parce que des fois, on a tendance à les oublier. Puis quand on vient pour jeter notre grain aux poubelles, ben ces accessoires-là vont aux poubelles. Et on est obligé de les racheter. Fait que je les enlève tout de suite, on va les laver, les mettre de côté. Par la suite, on lave notre panier de brassage pour être sûr qu'il soit propre la prochaine fois. Quand il est chaud, ça se nettoie beaucoup plus rapidement, fait qu'on sauve du temps. On va attendre l'ébullition pendant ce temps-là. Pendant qu'on attend que ça bouille, on va nettoyer déjà notre fermentateur. Fait qu'on enlève le couvert. Présentation 2 du Grandfather Conical. À l'intérieur, on a des petites pièces ici qu'il faut vraiment bien laver. Et là, pour défaire notre réclame, je vois beaucoup de monde se battre avec. L'option la plus facile que j'ai trouvée, moi, on le vire en avant.
et on a accès à notre valve. On défait notre triclame, qui est ici. On peut mettre la pièce de côté. Et on a présentement dans notre main notre valve. Fait qu'on peut la défaire en morceaux, la mettre dans un contenant. Fait qu'on va tasser notre conique, qu'on va avoir besoin tantôt. Fait que moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout mettre dans ma même petite chaudière. Fait que je vais défaire tout au complet mes choses. On va vérifier pour être sûr qu'il n'y a pas de gasket qui manque. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les rincer à l'eau. L'ébullition commence. Fait qu'on va commencer par, avant de mettre nos blonds, enlever la couche de protéines qu'on voit juste ici. On vient d'ajouter notre 10 g d'eau blond à 60 minutes qui va donner de l'amertume le côté de la langue. On patiente et on va mettre les autres additions de blond plus tard. Les 15 dernières minutes, soit qu'on branche notre refroidisseur à contre-courant, moi j'utilise une immersion pour aujourd'hui. Fait qu'on le met dedans pour les 15 dernières minutes. On ajoute notre eau blond et le carragényl en flocon. Une petite teaspoon. Le carragényl, ça va aider à prendre toutes les protéines qui sont en suspension et les faire coaguler au fond. Il nous reste un gros 14 minutes. 10 minutes avant de mettre notre prochaine addition de houblon et de refroidir. Notre 0 minute est faite. On ajoute le dernier houblon. On va partir la pompe pour recirculer. Et on met notre refroidisseur en fonction. Il faut refroidir le plus possible, fait qu'on va aller laisser aller notre refroidisseur en recirculant, ça va vraiment aider. Puis quand on va être rendu juste au bon point, on va pouvoir le mettre dans notre fermenteur, on va finir de le nettoyer, on va transférer dedans, on va mettre la levure, puis on va refroidir. On réinstalle les choses, on vérifie que les gaskets sont tout le temps là. Moi j'aime bien ouvrir pour fermer la petite valve pour être sûr qu'il n'y a plus de dedans. Fait qu'on réinstalle ici. On va passer au PBW. Alors, on va installer la gasquette et la valve. Comme ça, on met notre triclamp. Comment ça fonctionne? On a un tuyau qui est de couleur bleue. J'en ai oublié de vous montrer un petit détail. Quand on a ouvert le grandfather au début, c'est notre petit basket. Ça va juste comme ça ici et comme ça. Avant que quelqu'un me le marque dans les commentaires. Vous me demandez pourquoi que je ne l'ai pas mis? Parce que moi j'ai pris le faux fond du robot brou. Il est disponible dans la description. En dessous. Des fois je brasse avec, des fois je brasse avec le faux fond. Je fais des tests encore présentement avec mon grandfather. J'ai juste brassé environ 30-40 fois avec. Fait que j'aime ça, faire beaucoup de tests avant de me décider de ma technique préférée. J'aime bien les deux. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai essayé de vous montrer l'équipement complet du grandfather avec le Conical, avec une petite recette. Pour le monde qui débute, c'est vraiment important de prendre son temps, de regarder les vidéos, de lire les instructions. Oui, il y en a qui lisent les instructions, vous pouvez les lire quand même, moi je lis jamais. Et par la suite, ben, de brasser de la bière, c'est la meilleure méthode de vous éduquer, c'est de pratiquer, hein? Il n'y a pas d'autre chose. Quand on joue de la musique, il faut pratiquer pour être bon. C'est la même chose pour la bière, plus qu'on va en faire, plus qu'on va devenir bon. C'est tout pour la petite vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi le savoir, partagez en grand nombre. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour
rien manquer de ce que je fais. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Peut-être qu'on pourrait faire une vidéo sur l'oxydation de la bière. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez savoir c'est quoi le glycol pack, c'est la grosse boîte noire que vous voyez présentement. On met du glycol dedans et c'est un refroidisseur qui refroidit le glycol à moins 1 degré ou la température qu'on veut avec notre contrôleur. On envoie avec une petite pompe dans notre fermenteur à double roi ou dans notre coil de refroidissement dans notre fermenteur la température qu'on veut. Le merveilleux fermenteur conique que vous voyez présentement avec le contrôle de température intégré, on peut lui setter une température et aussi une programmation pour descendre de 1 degré et de remonter pour faire du lagering si désiré. Ou tout simplement pour ajuster vos goûts quand vous fermentez. Vous savez que si vous fermentez un petit peu plus haut, ça va donner tel goût, ou un petit peu plus bas, un petit peu un autre goût. Ça va vous aider à améliorer votre processus. Il y a aussi une bande chauffante dedans que j'ai désactivée parce que je faisais des lagers puis je voulais pas qu'elle parte automatiquement. Et là, on va y dire qu'on rajoute notre grain. Et on va commencer à faire notre sparge.